À l'occasion des qualifications de la Coupe du Monde 2026, équipe d'Argentine de football, défiera le Chili et la Colombie, le 6 et le 10 septembre. Lionel Messi n'a pas été retenu par le sélectionneur argentin, Lionel Scaloni, pour ces deux rencontres. Un choix qui s'explique aisément. L'octuple ballon d'or n'a toujours pas repris la compétition depuis sa blessure à la cheville, lors de la finale de la Copa América contre la Colombie, 1-0, le 14 juillet dernier. Toutefois, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain devrait pouvoir être en mesure de rejouer en Ligue majeure de soccer, MLS, avant la fin de la saison régulière. En conférence de presse, son entraîneur à l'Inter Miami, Tata Martino, a fait part de cela. « Je ne pourrai pas donner une estimation précise du nombre de jours après lesquels il reprendra l'entraînement, mais ce n'est pas forcément une situation éloignée. Les blessures sont à la fois physiques et mentales, il est donc nécessaire de les surmonter dans les deux sens, et je crois qu'il traverse cette étape. »